possible qu'il y ait des bestioles, voilà, comme ça. Allez, enquiquiner quelqu'un d'autre. Ouais, ouais, on a plein de potions, on utilise. Masse. Allez, on tape. Vous m'avez parlé. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Non, tu vois. Vous feriez mieux de prêter attention. Au jour merveilleux, Kali. Par amour de l'argent. Mon taron, je t'ai dit d'arrêter de frapper. Ça interfère. Oui. Tes flèches. Sans aucun doute. Alors là, pendant qu'on y est... Qu'est-ce qui doit disparaître? Tu vas te mettre à détecter les pièges, mon petit gars. Laissez-moi tranquille, si vous ne voulez pas que je vous décapite. Ouais, je veux pas que tu me décapites. Et puis je vais lui en donner quelques-unes, hein, on ne sait jamais. Hop. Là, t'as perdu combien? Ça c'est quoi? Charge de kill plus 2. Ah ouais, mais c'est pas mal ça, ça immunise à quoi? L'étourdissement est paralysé. J'aurais peut-être pas dû acheter ce truc. Bon, tant pis. Vous m'avez... Quelque chose a dû vous échapper. Alors, quand je vous ai expliqué que j'aimais être seul. Il y a une série de pièges. Ce sera juste... fait. Ça intéresse. Je ferai votre tâche. Avant, des combattants squelettes. Alors là, c'est ce que je disais. Hein. Ces signes là sur les murs, ça signale souvent des pièges. Souvent. Entre les deux signes, il y a des pièges. Et là, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Devant ces combattants squelettes, c'est un passage, quand on connaît pas, qui peut être assez cauchemardesque. Parce qu'évidemment, on se prend des boules de feu ou des éclairs, je sais plus. Enfin bref... Parler. On se fait bien défoncer la gueule par les combattants squelettes. Parler. Et en même temps, on se prend les pièges. Je me meurs. Destructeur de l'univers. Ouais, ouais, on va voir si on va mourir. Oui, sans aucun doute. C'est vous qui allez crever. Qu'est-ce qui savoure tes derniers instants de vie? Il me faut une bière. Non, non, il te faut une potion de rapidité. Toi, qu'est-ce que t'as? Tu t'en as plein aussi, allez. Parlez. Vous périrez de ma main. Oui. Mince. Arme inefficace. J'ai lu. Non. Arrêtez de me tuer. Les dieux. J'aille puisse l'obscurité s'imposer. Qu'est-ce que... Oh, la prochaine fois. Savoure tes derniers instants de vie. Ce sera fait. Ah là, il est facile. Là. Ouais. Hop. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Je crois pas qu'il y ait de piège. On se méfie quand même. Hein.
Certainement. Qu'est-ce que c'est? Sans aucun doute. Alors ici, je crois qu'il y a quelques petits pièges. Qu'est-ce qui doit disparaître? Occupez-vous de votre lame! Voilà, il y a toujours un des signes sur les murs. Il y en a peut-être bien un autre. Voilà. Parlez. Oui. J'attends vos instructions. Vous m'avez parlé? Qu'est-ce que c'est? Je suis d'accord. Ça intéresse. Je ferai votre tâche. Parlez. Ce sera fait. Qu'est-ce qui doit... Occupez-vous de votre lame. Alors ici, on peut passer par là. On peut suivre. Il y a deux chemins qui mènent à la sortie. On va les emprunter les deux, histoire de tuer... Oui. Certainement. Tous les monstres du labyrinthe. Vous m'avez... Ne dormez que d'un œil, tyran. Je me méfie toujours par ici... Qu'est-ce que c'est? Sans aucun doute. Ça a intérêt à en valoir la peine. Vous feriez mieux de prêter attention. Au jour merveilleux. Kalou, Kali. Ce sera fait. Qu'est-ce qui doit disparaître? Oui. Certainement. Vous m'avez... Laissez-moi tranquille si vous ne voulez pas que je vous décapite. Ça m'étonne. Ah, je crois qu'il y a des pièges par là. Oui. Signe vert. Égal. Danger. Dès qu'il y a des signes sur les murs, faut se méfier. Il y en a peut-être bien d'autres. On va faire gaffe. Entre ces deux signes verts, c'est peut-être truffé de pièges. Il y en a peut-être bien encore deux ou trois. C'est ce que je disais. Oh! Et un combattant squelette. Je veux pas parler. Qu'est-ce que c'est? Parlez. Sans aucun doute. Ça a intérêt à en valoir la peine. Quelque chose a dû vous échapper quand je vous ai expliqué que j'aimais être seul. Avant que je me lance dans la bataille... Oh oui. Il m'a vu. Qu'est-ce qui doit disparaître? Je ferai votre tâche. Vous allez... Ouais, je sais, on va mourir. Merde, il y en a un autre. Venez encore me déranger. Chanteur de nuit, donnez-moi de la... J'ai pitié de votre courte vie. Allez enquiquiner quelqu'un d'autre. Vous m'avez... Occupez-vous de votre lame. Pas très dangereux. Ah, t'es plus invisible, mec. Eh ben, reprends une potion. Ça dure pas longtemps. Olotza, parlez. Ce sera fait. Ça a intérêt à en valoir. Même s'il est invisible, faut le suivre. Attention, là. Attention. J'aime pas trop ces signes sur les murs. Y'a rien? Oui. Certainement. Qu'est-ce qui doit disparaître? Je ferai votre tâche. Oh! Qu'est-ce que c'est? Sans aucun doute. Qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est... Un garde noir. Vous m'avez...
chef. Occupez-vous de votre lame. Edwin, qu'est-ce que tu fais? Quelques petits passes. Ça a l'air de dormir que d'un oeil. Un vire délicieux, Chianti, et quelques fèves. Quand même se méfier. Je crois même que c'est un cul-de-sac piégé. Pas de piège. Ouais, si, il y a des pièges. Bon, de toute façon, on voit bien que c'est un cul-de-sac. Donc, direction par ici. On va y aller juste avec lui, d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a pas de monstre. Et je crois que ça mène directement à la sortie. Hop. Je crois qu'il n'y a plus de piège, il n'y a plus rien dans cette... Voilà, donc lui c'est le gars, là, Lunsky Perorek. Et là il y a la sortie. C'est le gars qui a aidé à... Ça révoque à s'enfuir du palais ducal. On va revenir par ici. Parlez. Et puis on va faire l'autre chemin, histoire d'avoir... J'attends vos instructions. Histoire de nettoyer ce labyrinthe, en fait. Peut-être sauvegarder, ça fait un moment que j'ai pas sauvegardé, on sait jamais. Un crash est si vite arrivé. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Qu'est-ce qui doit disparaître? Oui. Alors... Vous m'avez... Vous feriez mieux de prêter je crois attention. Que là, y a rien. Au jour merveilleux, Kalou Kali. Peut-être un piège, donc on va se méfier. Oula, bon, y a rien. Ensuite, on va explorer. Qu'est-ce que c'est? Je suis d'accord. Suivez le Hobbit. Ça ah, attention, 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 attention. Attention, il y a des signes sur les murs. On sait jamais trop ce qui se passe. Parlez. Ce sera fait. Qu'est-ce qui bon, doit... Laissez-moi tranquille si vous ne voulez pas que je vous décapite. Oui. Certainement. Vous m'avez... Quelque chose a dû vous échapper quand je vous ai expliqué oh, que j'aimais être seul. Qu'est-ce que c'est? Donc faut se méfier. Sans aucun doute. Il y a probablement un piège. Il y a probablement plusieurs ça pièges. Ça a intérêt à en valoir la... Je ferai votre tâche. Voilà, on l'a déjà un. Bon, il y en a sûrement d'autres ici dans cette zone là, entre ce signe et ce signe. Il me faut une bière. Parlez. Marche pas sur les pièges, hein, mon taron. Ce sera fait. Qu'est-ce qui doit disparaître? Voilà. Détecté. Occupez-vous de votre lame. Voilà.
Là, je crois qu'il y a... Il y a peut-être un piège, là. Non, pas ici. Ici. Et je crois bien qu'il y a un piège. Non? Bon. De toute façon, c'est des cul-de-sac. Oui. Certainement. Vous m'avez parlé? Ouais, je t'ai parlé, mec. Reprends encore une potion d'invisibilité. Ton boulot, c'est de détecter les pièges. Alors ici, faut faire gaffe. Parce qu'il y a, il y a des cochonneries. Il y a des rôdeurs invisibles dans le coin. Qu'est-ce que c'est? Et j'ai sans pas aucun envie doute. Qu'ils attaquent mon taron. Je préfère qu'ils attaquent un mec le en seul truc qui soit mieux que de l'or. Quelqu'un. C'est encore plus d'or. Parlez. Ce sera fait. Oui, certainement. Ça a intérêt, je ferai votre tâche. Allez, enquiquinez quelqu'un. Oh, vous commencez à me porter sur les nerfs. Ah. Rôdeur invisible attaque Kagan. Qu'est-ce qui doit disparaître ? Occupez-vous de votre lame. Je crois qu'il n'y a pas de piège ici. Oh, juste... oh, enfoiré. Qu'est-ce que c'est ? Je dormais que de la destruction de l'univers. Parlez. Sans aucun doute. Ça intéresse. Vous feriez mieux de prêter attention. Au jour merveilleux. Kalou, Kalou. Il y a des pièges par ici, donc fais gaffe. Hein. Il me faut une bière. C'est l'or qui fait tourner le monde. Plus on le sait, qu'est-ce qui doit mieux on s'en sort. Comment ça? Encore rôdeur invisible attaque Kagan? Ouais bah c'est ça, y a pas de piège ici. Mais y a des, oui. Des abrutis là. Vous m'avez... Laissez-moi tranquille! Si vous ne voulez pas que je vous décapite. Je dis qu'il y a pas de piège. Faut toujours se méfier quand même. Je veux pas. Si j'avais gagné une petite ça pièce pour chaque quelque crétin chose a dû vous rentrer, échapper. Je pourrais me payer à ce que j'aimais être seul. Bien sûr. Qu'est-ce qui doit dire? Je ferai votre tâche. Oula, signe vert. Jamais. Il me faut une bière. D'accord. Parlez. Je suis d'accord. Je veux pas parler. Bah parle pas, parle pas. Tiens, soigne-toi plutôt. Vous m'avez... Occupez-vous de votre lame. Ouf. Ça a mis du temps à la détecter, mec. Et je pensais qu'ils étaient derrière. Allez, enquiquiner quelqu'un d'autre. Pas de rôdeur invisible pour me taper dessus. Ça a intérêt à en valoir la peine. Je sais qu'il y a un piège dans un des coins. Je sais pas si c'est là ou là. Bon bah c'est pas ici, ça doit être le prochain chemin. Il y a un piège vicieux dans un coin. Il me faut une bière. Bien sûr. Oui. Ce sera fait. Qu'est-ce qui doit disparaître? Je ferai votre tâche. Qu'est-ce que c'est? Certainement. Vous m'avez... Occupez-vous de votre lame. Parlez. Sans aucun doute. Ça interdit de dormir que d'un œil, tyran. Ça doit être ici qu'il y a un piège. Cet endroit me rappelle mon foyer. Un foyer qui m'a rejeté. Bon, a priori, il n'y a personne. Il y a peut-être un rôdeur invisible, mais... J'en fous. Oui. On va remonter par là. Ce sera fait. Alors, avec le BG1 NPC mode, si on a Dinahir dans l'équipe, il y a un dialogue un peu spécial avec avec Winsky Perorette. Et il y a un combat additionnel. Car visiblement, Dinahir et lui se connaissent. En Paris. Mais on n'a pas Dinahir dans l'équipe. Donc, je pensais bien que ce serait vous. Je savais que vous alliez suivre. Vous êtes du même sang. Pourquoi tu l'aides, abruti?
J'étais le mentor de sa révoque. Ouais, ben, c'est pas une réussite. Je l'ai initié au plus noir rituel. En gros, c'est un mégalo, il veut mettre son nom dans l'histoire. Tu as mal choisi le rejeton de balle auquel t'as lié Reveal. Alors, comme il veut être célèbre, l'anonymat qui vous frappe sera sans doute un châtiment suffisant. Bon, j'aurais pu le tuer, hein, mais ça rapporte rien. Allez, en route pour Ombreville. Puis je vais arrêter là la session. Allez, on va arrêter là pour aujourd'hui. Bye bye.